C'était une image pour une nation, donc c'est quand même perdre quelqu'un d'important. Et puis après, ben, c'est à la nation d'arriver à continuer à faire ce qu'il avait commencé, le travail qu'il a commencé. C'est une personne charismatique qui a représenté la paix, l'image de la paix. Il a eu le prix Nobel de la paix, donc aussi un mot à dire, c'est celui-là. Moi, je ne pensais pas que l'éternité avait une fin, mais l'éternité a bien une fin, malheureusement. Nelson Mandela, il incarnait un combat qui a été possible et qui a été mené. L'apartheid, c'est quelque chose qui a été combattu sur le tard, certes, mais on a joué les sanctions économiques. Et il incarnait que la politique, le changement, c'est possible. Quand on veut faire quelque chose, on peut. Et depuis cette action-là, il n'y a pas eu de mobilisation de la communauté internationale sur aucun sujet comme celui-là. Une personne qui voulait la paix, qui a lutté, milité dans sa vie pour la paix. C'était pas gagné, mais